Et bonjour, de retour au CES. Alors, au CES, on trouve vraiment de tout. Quand je pense qu'au début de ce salon, c'était juste de l'électronique, maintenant on trouve vraiment de tout. Et on se demande même ce que viennent faire certaines sociétés au CES. Alors, pour l'anecdote, nous on a transporté des vélos depuis la France jusqu'ici. On a transporté 4 vélos. Et on a trouvé que c'était quand même assez cher, mine de rien, on avait quand même payé relativement cher le packaging et l'expédition de ces 4 vélos pour 4 jours de salon. Mais on ne va pas pleurer, parce qu'a priori, il y a des sociétés qui ont payé beaucoup plus cher que nous. Alors, par exemple, celle-ci. C'est pas un camion, c'est un camping-car. Il est absolument énorme. Alors évidemment, il fait la taille d'un semi-remorque, mais en fait, c'est un très très beau camping-car. Cette société a déplacé tout un camion à exposer au CES. Mais j'ai envie de dire, un camion, c'est encore pas très cher à transporter. Il suffit de le faire rouler. Donc cette société, elle a aussi amené ça. Un bateau. Et alors le bateau, je vais me déplacer. C'est pas une barque. Loin de là. C'est vraiment un gros yacht, hein. C'est vraiment gros. Et en fait, je suis obligé de me reculer pour qu'on l'ait dans l'image, parce qu'il est vraiment très grand. Donc on va pas pleurer parce qu'on a payé quelques euros pour amener 4 vélos. Hein. Parce que je sais pas, mais eux, ils ont dû casquer quelque chose a priori pour amener un yacht énorme et le poser au milieu d'un hall. Le yacht, il n'est pas dehors, hein. Il est posé au milieu d'un grand hall avec plein de stands et plein de constructions autour. C'est un truc du délire. Le CES, il y a quand même, mine de rien, une débauche de moyens de certaines sociétés qui c'est impressionnant. C'est très très impressionnant. Là aussi, sur ce yacht, les gens font la queue pour monter à bord et le visiter. Il n'y a rien de particulier, hein. Il y a juste des écrans un peu partout et il est évidemment très luxueux, mais pas d'innovation particulière. C'est un bateau, il flotte et il avance. Bon, voilà. Allez, un peu plus tard, je vous montrerai d'autres trucs assez chouettes.